Le réseau Europe Urbain consiste en fait à assurer une animation au niveau national de la dimension urbaine des programmes européens. C'est-à-dire qu'il permet de rassembler des acteurs français, des autorités de gestion, les villes, les intercommunalités, les têtes de réseau des collectivités, afin de les aider à comprendre le fonctionnement des programmes européens et également la mise en œuvre donc de la dimension urbaine. Trois objectifs sont poursuivis, le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels, une partie échange et de bonnes pratiques et également une partie capitalisation et communication. Il y a 1 milliard d'euros qui permet le financement d'actions sur la dimension européenne des villes à l'échelon des agglomérations. Alors de manière concrète, dans le cadre de la première mission, qui est du coup le suivi de la dimension urbaine, on publie régulièrement des états d'avancement des actions, de la programmation des différentes opérations. Dans le cadre de l'échange de bonnes pratiques et l'apport un peu méthodologique, on organise donc des groupes de travail thématiques. Donc on a 4 thématiques qui sont traitées donc en 2016 et 2017, que sont le numérique, l'inclusion sociale, la compétitivité des PME et la transition énergétique. Donc, par exemple, pour 2017, on a organisé donc 2 groupes de travail sur le premier semestre sur le lien entre inclusion sociale et développement durable et un autre sur la création d'emplois liés au numérique dans les territoires urbains. On a 2 autres groupes qui se réuniront au deuxième semestre. On organise également des séminaires. Donc, le premier séminaire s'est tenu le 13 décembre dernier à Paris. Et des sessions de qualification. Donc là, on a eu une première session de qualification qui s'est tenue à Mulhouse sur l'approche intégrée, donc à destination de l'ensemble des membres du réseau. Par ailleurs, on publie des fiches de bonnes pratiques, enfin des fiches expériences sur la mise en œuvre des stratégies urbaines intégrées et une boîte à outils méthodologiques, ainsi que des bulletins de veille nationales et européennes sur la dimension urbaine de la politique européenne de cohésion. Alors, au niveau européen a été lancé le pacte d'Amsterdam qui a été signé en 2016. Aujourd'hui, la Commission a mis en place des groupes de travail, 12 partenariats urbains, qui visent en fait à apporter de la matière, de l'expérience pour alimenter les futures réglementations. Le CGET est coordonnateur du partenariat sur la pauvreté urbaine. Donc concrètement, nous arrivons à la rédaction d'un plan d'action qui va permettre une consultation du public cet été et alimenter justement la réglementation post-2020 afin de prendre en compte vraiment une dimension urbaine dans la future réglementation européenne et un meilleur financement des actions liées au développement urbain.